L'impérialisme international n'est pas tant le choix idéologique proclamé que les actes politiques, économiques et socioculturels conséquemment posés. Au petit matin de ce dimanche 16 janvier 1977, un petit aéronef de type DC-7 qui n'était pas programmé, donc inattendu, atterrit sur l'aéroport international de Caléon. À son bord, des passagers très peu ordinaires. Des hommes en tenue militaire et lourdement armés prennent position pour occuper les points stratégiques de Cotonou en ce temps d'Harmattan. Armés de fusils de guerre assez perfectionnés, ainsi que des mortiers et des roquettes, ces mercenaires se sont divisés en deux groupes pour progresser vers le palais de la Marina, où le président Mathieu Kérékou et la garde républicaine, épaulés par des soldats de l'armée nord-coréenne venus à Cotonou dans le cadre de la coopération militaire entre les deux pays, ont opposé une riposte imprévisible aux agresseurs dirigés par le redoutable mercenaire français Bob Denard. Les échanges de tirs ont duré plus de 2 heures. Bien que sous-équipée, l'armée béninoise a réussi à mettre en déroute les envahisseurs qui décident d'opérer un repli après cette déroute humiliante. Dans la catastrophe, ces hommes sans foi ni loi ont repris leur avion abandonné, leurs armes et munitions, ainsi que des documents confidentiels. Ces mercenaires, de plusieurs nationalités, drogués et armés jusqu'aux dents, avaient pour objectif principal de s'emparer rapidement du palais de la présidence de la République et de renverser le régime militaro-marxiste du lieutenant-colonel Mathieu Kérékou. À l'heure où nous vous parlons, nos unités de combat sont à pied d'œuvre et défendent avec un acharnement révolutionnaire les points stratégiques de notre ville agressée. Mais 38 ans après que sont devenues les familles de l'adjudant Tosu Mathieu, du soldat de première classe Alassane Kassim, du soldat de deuxième classe Lassissi Yessoufou, Abiodun Doumbazil, Comlan Sylvain, Toto Paulin et Dabapa Pascal. Sinon, cette place des martyrs, rebaptisée place du souvenir. Ces dignes fils béninois, tombés au champ d'honneur, les armes à la main, méritent un peu plus d'attention.